Pourquoi les pyramides, elles sont pointues ? Hugo, raconte-moi pourquoi tous les mauvais comédiens sont-ils français ? Pourquoi les aliens sont représentés en vert ? Ok, let's go. Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper le prochain pourquoi. Ça serait très très bête. Si je vous dis alien, vous pensez à un petit bonhomme de quelle couleur ? Vert, évidemment. Et c'est bien normal. Dans la culture populaire et l'imaginaire collectif, un alien est forcément vert. Mais pourquoi le représente-t-on toujours de la même couleur ? Pourtant, on n'en a jamais vu. En fait, si on imagine cela, c'est apparemment à cause d'un événement qui s'est produit dans les années 50, aux États-Unis. On est en pleine guerre froide, et presque tous les Américains voient des ovnis. Comme ces paysans du Kentucky qui disent en avoir rencontré en 1955 lors de l'attaque de leur ferme en pleine nuit. Ils indiquent qu'ils sont entrés en contact avec des humanoïdes d'un mètre de haut et décrivent la couleur de leur peau comme un gris argent métallique. Pour désigner ces créatures venues d'ailleurs, les journalistes qui en font le récit utilisent la formule « Little Grey Man ». En français, ils sont donc devenus « petits hommes gris ». Bien que dans certains films, on les représente gris, on pense plus souvent au fait qu'ils soient verts. Pourquoi ? Parce que certains journalistes ont modifié le témoignage, faisant passer les extraterrestres de petit homme gris à petit homme vert. Pourquoi ? Peut-être à cause de la littérature. Car une dizaine d'années avant, un livre, The Green Man, écrit par Harold Sherman, est le premier livre à décrire un extraterrestre vert. Un autre, le roman de Frederick Brown, Martian Go Home, publié en 1954, là encore, le décrit comme vert. Les extraterrestres sont donc passés du gris au vert sans qu'on leur demande trop leur avis et depuis ils ont gardé cette couleur. D'ailleurs, encore maintenant, LGM, Little Green Men, est le terme utilisé en anglais pour désigner ces créatures. Voilà, tu sais pourquoi les aliens sont verts. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. À très bientôt, salut. Au revoir. Vive la République ! Vive la France ! Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc je le redis, hein, même si je viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux.